Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi utiliser ses ennemis. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement. Qui je suis? Qui est Robert Greene, l'auteur de cette loi? Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Et enfin, la troisième des choses que tu verras, c'est cette loi. Mais assure-toi bien, avant qu'on commence, de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger la vidéo privée, Les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Robert Greene? Robert Greene, certainement, si tu as cliqué cette vidéo, c'est que tu le connais, est un auteur américain connu pour ses livres sur le pouvoir, la séduction et la manipulation, autrement aussi parfois appelé machiavéliste, de Machiavel, qui était un industriel, enfin un artiste, on va dire, sur les plans machiavéliques, qui a laissé son nom à des plans, on va dire, qui visent, eh bien, à faire déstabiliser un pouvoir. Eh bien, Robert Greene fait partie de cette attitude-là. Il a étudié plus de 3000 ans d'histoire et de littérature sur les différentes relations qu'entretenait le pouvoir et puis ben, les différentes personnes qui sont passées avant nous ou qui sont actuellement en train de passer sous nos yeux. Et il en a déduit différentes lois, les 48 lois du pouvoir, vendues à plus d'1,2 million d'exemplaires dans le monde. Et dont la loi qu'on va voir dans quelques instants ensemble sur ne pas vous fier, eh bien, à vos amis, mais d'utiliser vos ennemis. Où en veut-il en venir, Robert Greene? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors pourquoi ne pas se fier à ses amis? Pourquoi utiliser ses ennemis? Eh bien, Robert Greene explique que beaucoup de vos amis vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, d'autres se montreront tyranniques en réaction à ce que vous avez pu faire ou pas faire avec eux. Et finalement, un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves et parce qu'il connaîtra la chance qu'il aura de travailler ou en tout cas d'être dans votre vie. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que vos ennemis. Voilà un petit peu la notion que Robert Greene nous donne à l'heure où parfois on est amis en quelques secondes et on ne considère pas spécialement les ennemis comme des futurs potentiels. Robert Greene met la balle au centre en nous précisant que nos meilleurs amis, nos meilleurs rivaux, les personnes qui finalement nous envient et ouvertement le font savoir, eh bien, sont finalement, eh bien, vraiment les meilleurs amis que vous pourriez avoir parce que vos amis, à un moment donné, vont certainement vous jalouser par rapport, eh bien, au chemin que vous entretenez. Aussi, Robert Greene ne nous laisse pas seulement avec cette seule idée de, voilà, polariser, travailler avec nos ennemis. Il nous propose également cette polarisation. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire de façon, eh bien, encore une fois, à polariser votre communication, polariser votre personnalité dans votre personal branding pour, eh bien, favoriser des personnes qui vont être à l'encontre de vous et quand vous allez pouvoir travailler, avoir du boulot à leur donner, vont en fait finalement être des personnes qui vont devoir faire leurs preuves parce que elles verront une chance de travailler avec vous, même si, ben voilà, elles vous considèrent comme éventuellement un ennemi ou un rival, mais elles vont devoir faire leurs preuves parce qu'elles savent aussi que vous allez pouvoir être critique, peut-être dans leur, voilà, leur réputation que vous allez leur faire ouvertement ou dans leur dos. Donc c'est absolument une règle machiavélique de Robert Greene que l'on peut retrouver dans son livre Les 48 lois du pouvoir. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Avant de voir la dernière slide dans quelques instants, je t'invite à répondre à ces trois questions dans les commentaires dès maintenant. Quelle est la règle que tu retiens dans cette vidéo? Quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie? Et que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux? Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'ajouter à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger la vidéo gratuite dès maintenant, juste en dessous, Les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.